Cyril Hanouna se lance pour les présidentielles 2022. Mais pas en tant que candidat. Si Marlène Schiappa avait laissé entendre que l'animateur de C8 pourrait animer le débat de l'entrée de tour, il semblerait que celui-ci ait un tout autre projet, néanmoins en lien avec cette élection très attendue. En effet, tandis que la saison de Touche pas à mon poste s'est terminée le 10 juin dernier, il prépare désormais pour la rentrée prochaine une toute nouvelle émission politique, de 8 à 10 numéros avec chaque candidat à l'élection présidentielle, rapporte Le Figaro dans une enquête. Une émission dont on sait pour le moment peu de choses, aussi bien entre l'organisation, que sur les personnes présentes qui interviendront dans chaque numéro. Mais Cyril Hanouna a déjà prévu d'organiser son propre débat aux élections présidentielles, en confrontant tous les candidats. Une émission qui pourrait coiffer au poteau le traditionnel débat des élections présidentielles, mais aussi peut-être le débat de l'entrée de tour. L'animateur a-t-il finalement voulu relever le défi lancé par Marlène Schiappa? En 2022, si est-il lui qui devrait co-présenter le débat de l'entrée de tour de l'élection présidentielle? Si est-il quelqu'un de brillant, qui connaît la société française? Mais il est de bon ton de cogner sur lui, cela relève du mépris de classe, avait ainsi confié la ministre chargée de la citoyenneté. Cyril Hanouna a-t-il réagi à la suggestion de Marlène Schiappa? Une sortie qui n'avait pas manqué de faire réagir dans la sphère politique, où Cyril Hanouna était considéré comme illégitime, mais aussi dans le monde du journalisme, où Thomas Soto n'avait pas manqué d'épingler Marlène Schiappa, lui demandant si cette sortie ne relevait pas de sa quête insatiable du buzz. Ça sort d'une conversation téléphonique que j'ai avec un journaliste et il me pose un certain nombre de questions sur Cyril Hanouna, je réponds bien volontiers et je raccroche, avait répliqué la ministre, avant que le journaliste lui, ne soit ensuite taclé par le journaliste de C8, déçu qu'il veuille ainsi faire le buzz.